Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à cette bande de freluqués? Ah, vous êtes là? Je vous avais pas vu. Bon, mais vous avez sans doute entendu que je ne savais pas quoi vous raconter aujourd'hui. Je suis quand même gêné et désolé. Mais bon, comme je ne vais pas faire qu'une vidéo où je dis que je ne sais pas quoi faire... Je vais essayer de vous occuper. Vous pourrez faire ça, par exemple. Ou encore ça. Ouais, mais ça, c'est un peu con. Il faut quand même que je trouve un truc assez intéressant. Ah si, j'ai peut-être une idée de ce que je pourrais faire. Je pourrais arriver et faire ça. Vous avez peur, hein? Ouais, mais peur de voir que la vidéo allait être merdique? Ou peur parce qu'il y a une image et un son violent qui est apparu? Non, mais de toute façon, je sais que la plupart d'entre vous a sursauté. C'est tout à fait normal que vous ayez peur. En gros, pratiquement tout le monde a des phobies. Moi, j'ai peur de rien. De rien? Non, mais là, même si c'est un peu exagéré, ça montre qu'il y a des peurs plutôt absurdes. Non, mais arrête, il n'y a aucune peur qui est absurde, hein. Oh, que si! Certaines peurs sont vraiment louches, hein. Vous serez d'accord avec moi le jour où quelqu'un qui a peur des arbres vous saute au cou? Si, si, c'est possible. Et encore? Là, ça va, hein. Parce qu'il y en a qui ont la phobie des feuilles. Ça, c'est une feuille. Je ne comprends pas. Les psychologues, quand ils parlent des phobies, disent la plupart du temps... C'est sans doute dû à un traumatisme dans l'enfance. Je veux bien, moi, mais comment fait un gamin pour être traumatisé par une feuille? Oh, une feuille. Après, c'est qu'un exemple. Il existe beaucoup d'autres peurs absurdes. Par exemple, certaines personnes ont peur de l'argent. Oh! D'autres encore ont peur du ketchup. Haha! Il y en a même qui sont holophobes. Haha! Haha! Je suis phobiman pour contrer vos peurs absurdes. Non, mais ce qui est plus efficace que ce con pour annuler vos peurs, c'est de rigoler un bon coup. Donc pour ça, d'abord vous allez sur ma chaîne YouTube, après sur ma page Facebook, et enfin, partagez un maximum mes vidéos. Et n'oubliez pas, je m'appelle Aldo, je suis stupide et je suis à votre service. Oh yeah! Ah oui, en fait, j'ai eu mon bac!